Bonjour messieurs, bon, c'est là qu'il est premier. Oui. Et tout ça plein. Et bonne fête. Parce que 118 ans, c'est pas jouette. Et en Haïti, il y a très grande entreprise qui vient à tellement ça. Parce que durée de vie en entreprise en Haïti, liée à une bonne conjoncture et qui va passer pour surmonter. Bon, nous venons ici même les surmonter tout. Et puis, les grands pires années devant encore. D'ailleurs, les générés et dernières années sont passées là. En bonne petite, ces témoignages. Et nous avons la télévision, radio, ticket, etc. Donc, je pense que nous avons une bonne santé. Je n'ai pas la petite râle, il faut mille petits qualificatifs que j'utilise. Et journaliste, senior, c'est une journaliste qui maîtrisait la plume et le micro très bien. L'expérience du journaliste Roger François avec le quotidien de Nouvelle, c'est quoi? Eh bien, ça remonte à l'année 98. Et avec le changement qui vient en Haïti, peu de temps après cette année 86. Et moi, toujours publié dans la nouvelle liste des textes parce que 1986 à aujourd'hui, moi, j'ai comme objectif pour moi opiner sur tout ça concerné le changement démocratique dans le pays. Donc, régulièrement, lecteur nouvelle liste, j'ai bien l'opportunité de voir les textes publiés dans la nouvelle liste. C'est une dame qu'on lit avec. Tout texte à Rome, ça fait plusieurs tomes déjà. Donc nous avons une longue expérience de collaboration avec le nouveliste. Et ces dernières années, avec Franz Duval qui vient faire mon rubrique l'édito des autres, et publier la plupart de l'éditorial sorti dans la radio Libo. Donc nous avons en tradition d'une trentaine d'années de collaboration avec le journal de nouveliste. Ça veut dire, et 918 ans, donc 30 ans au moins.